premier ballon dans la profondeur pour Romelu Lukaku qui frappe du gauche. Goal! Quel début, 2 minutes 35 secondes. Romelu Lukaku. On va finir par l'aimer chez les Diables. C'est un nouveau Lukaku d'amour aujourd'hui. Ah oui, pour sa confiance. Il est sur un nuage hein, depuis quelques semaines, voire quelques mois ici avec les Diables. Il a un peu de chance puisque bon, le défenseur rate complètement son intervention et la frappe est quand même assez fulgurante et le gardien doit quand même mieux faire. Mais bon, ça vient très très vite. Avec le dédoublement de Lukaku. Fait tenter autre chose, jouer avec Mitchell qui peut frapper. Il le fait, il enroule Mitchell et c'est passé très près. Ah, il a souri. Position très avancée là de Mitchell. L'intérieur pied droit, le gardien était battu. Il rentre dans le jeu, à nouveau Mitchell qui frappe, c'était bien enroulé. Et de Bruyne, non, bel arrêt de Ilan. Discussion avec ses adjoints, le ballon pour Lukaku. Ah, il s'en est fallu du peu, mais il était encore une fois très bien passé, placé en extension. Excellente action sur la droite. Et bien joué de Eden Hazard. Avec Hazard, De Bruyne. De Bruyne, bonne initiative de Nainggolan et oui. Fait bien son boulot. Il n'est que le deuxième gardien Nieland de Ingolstadt, devancé par Özkan. Son flanc préféré, de rentrer sur son pied droit, il va pouvoir frapper. Non. Mais très bon retour aussi de Berisha. D'ailleurs, Mertens réclamait une faute. De Bruyne, Hazard. Oui. Le voilà. Le voilà, le but de Bruyne Hazard. C'est fini, Vincent. J'ai aussi pu en commenter un dans ma carrière, comme vous. Félicitations. Mais c'est magnifique, hein. Pascal, Hazard de la tête en plus. Ouais, ouais. Chapeau à Eden parce que il y a eu une reconversion, offensive il y a quelques instants, il y a 30 ou 40 secondes c'était déjà lui. Et ici il coupe la trajectoire du ballon, ce qui peut expliquer un but absolument fantastique. C'est un des meilleurs et ici là, la puissance de Jordan Lukaku qui vient de très très loin. Et qui le centre est magistral. Hein. C'est un centre-tir. De Bruyne avec Lukaku dans l'espace, elle est belle, elle est très belle. Lukaku pour le but. Oh non, non, et c'est l'arrière gauche qui a bien coulissé. Et enfin le public s'amuse et s'enflamme. Le gardien qui vient tout là, il se lance pas. C'est Alessandri qui dévie. Le ballon de Mertens. Premier poteau, goal. Goal de Ciman. Oh, oh. Du côté partiel. Ça doit être la fin du premier but en équipe nationale de Nono Ciman. Quel impact. Oh là là. Là, ça, c'est un symbole. Oh, et bien, ce but doit avoir un retentissement jusqu'au Canada. Bien donné ce coup de poing de Mertens et c'est une déviation d'Alderweireld et qui trouve Ciman à la bonne place. 5 juin 2016, 19h33, but de Laurent Ciman en équipe nationale. Tac. Oui, à l'heure de Bruyne. Regardez cette trajectoire ici, qui retombe juste devant le gardien.